aviez un seul endroit à nous conseiller, peut-être chacune le vôtre. Question piège. En Suisse normande, pas de un préférence. Endroit. Eh ben, le dernier que j'ai fait, voilà, je vais prendre celui-ci. C'était le théâtre équestre, le spectacle au théâtre équestre de la Pommeraye. Voilà, une très belle soirée, un spectacle de qualité et on attend le prochain l'année prochaine. Parfait. Et pour moi, je ciblerai les grands espaces puisque ça a été une des principales demandes qu'on a eues cette année. Et je ciblerai la boucle du Homme à Thury-Harcourt et la route des Crêtes, une des plus belles vues de la Suisse normande. Donc ce sont mes deux favoris en tout cas ici. Eh bien, on va se retrouver sur un des deux favoris très prochainement. Donc à bientôt pour la suite, certainement en hauteur. À bientôt. Au revoir. Je vous retrouve en présence d'Erika qui va nous présenter son produit. Donc nous, on est brasseurs artisanaux en agriculture biologique à Saint-Rémy-sur-Orne, au cœur de la Suisse normande. On brasse toutes nos bières ici sur place à la main de manière traditionnelle, en bière bouteille, en bière fût pression à partir d'orge locale bio qu'on achète auprès d'un agriculteur du côté de Falaise. Et à fond, hein! À fond! À fond, hein! Ah, t'inquiète pas, pleine balle! On vous retrouve à Clessy pour vous faire découvrir la luge d'été. Alors, moi, je l'ai déjà fait avant de venir aujourd'hui, c'est assez chouette. Facilement accessible pour les familles, etc. Pas très cher, donc c'est l'attraction que je vous invite à découvrir et je vais essayer de ne pas lâcher le stabilisateur que je tiens dans les mains pour vous faire la descente, parce que là ça monte tranquillement, mais pour vous faire ensuite la descente en live et à fond sur le manche. Waouh, c'est pas évident de tenir le truc. Bonjour à tous, l'équipe de Visite & Co est aujourd'hui au golf de Clessy et je suis avec Madame Le Mans, la propriétaire, qui va vous expliquer ses activités. Bonjour Jenny. Bonjour. Donc vous êtes ici sur le domaine du golf de Clessy. Donc c'est un domaine complet avec un hôtel, un restaurant, un golf, parcours de golf 18 trous et un spa. Donc par rapport à notre activité golf, on peut vous faire découvrir l'activité dans son ensemble, de l'initiation au cours de golf, au stage. On s'adresse aux débutants, à ceux qui souhaitent découvrir et aussi à ceux qui sont déjà golfeurs et qui peuvent donc aller sur le parcours de golf faire leurs 18 trous puisqu'ils ont l'habitude de jouer. Oh.
Ravie de vous retrouver en Suisse normande. On est aujourd'hui sur la base de kayak à Thury-Harcourt, même les portes de la Suisse normande, l'entrée de la Suisse normande, avec deux personnes très importantes aujourd'hui concernant le tourisme et l'activité, l'attractivité de notre chère Suisse normande. Alors bonjour, Sylvie Jacques, je suis conseillère départementale sur le canton de Thury, avec mon binôme que je n'oublie pas, Paul Chandelier. Et je suis aussi, j'ai la chance d'être aussi présidente de l'Office du tourisme de la Suisse normande. Marina Léné, je suis chargée de promotion à Suisse normande tourisme. Et ça nous a permis pendant toute cette période du confinement de lancer une campagne, une nouvelle campagne de communication. Envie de voyager, que vous avez certainement vu, on l'a vu jusqu'à Caen et un peu partout sur les réseaux sociaux et même à la télévision. On a préparé aussi pendant toute cette période des nouveaux produits adaptés aux nouvelles mesures sanitaires, notamment des voyages, des petits itinéraires à faire en famille, en individuel, parce que le groupe, là, évidemment, c'était compliqué. C'était donc 7 visites animées du territoire que l'on pouvait télécharger à loisir, si on parlait d'eux. On a aussi gardé le contact et c'était important avec toutes les équipes des bénévoles et plus encore tous nos adhérents avec une newsletter hebdomadaire quand même. Gardons le contact. Et puis dès le début de la saison, il y avait la carte postale qui était mise à jour toutes les semaines pour savoir les hébergements, les activités que l'on pouvait faire. Donc un confinement qui a été très actif et dont on a vu le résultat, ma foi, très très vite. En parlant des résultats, je pense que Madame Léné va pouvoir nous en parler précisément. Oui. Une saison quasi terminée, mais très réussie, je crois. Alors, pas tout à fait terminée, on l'espère, mais en tout cas, effectivement, dès notre réouverture mi-mai, on a vu les visiteurs arriver, alors tout d'abord en week-end, à la journée ou en week-end. Et puis, dès le mois de juin, on a eu énormément de demandes sur les réseaux sociaux et sur notre site internet pour des séjours, pour préparer ses vacances. Et effectivement, après un début de saison bien sûr compliqué comme tout le monde, on a eu une très belle saison avec une fréquentation record en juillet. À l'Office de tourisme, mais aussi chez tous nos partenaires qui ont accueilli une clientèle française en nombre, des étrangers venus de Belgique et des Pays-Bas, mais beaucoup de Français de Normandie et de région parisienne qui sont venus découvrir ou redécouvrir la Suisse normande. Bonjour, bienvenue à la luge de Clessy, Clessy Glisse. Alors, notre activité est particulière parce que du coup, vous êtes sur un rail en toute sécurité, c'est vous qui faites une descente de luge. Et en fait, on est sur un monorail, il n'y en a nulle part dans tout le Nord-Ouest. On s'adresse à tous les publics puisque vous décidez de votre vitesse en toute sécurité. Et en fait, le truc, c'est que plus vous poussez la manette, plus ça va vite. Vous êtes totalement attaché dedans, aucune éjection possible. Et vous décidez de votre vitesse. Alors après, les tarifs, c'est 2,50€ pour les solos et 4€ le matin pour les duos. Et 3,50€ l'après-midi et 5€ pour les duos. À bientôt, à Clessy Glisse.